comment t'as trouvé le spectacle? Ah, extraordinaire! L'énergie à Saint-Hyacinthe, c'est quelque chose. Mais moi, c'est encore tout nouveau. Là. Je suis la petite rookie du spectacle, alors j'adore. Je trippe. Je pense que je trippe autant que le public. Fait que j'ai adoré le spectacle ce soir. Alors, j'imagine que t'as aimé l'énergie de tous les musiciens sur scène, puis de ce qu'ils ont fait, là, le beau spectacle, toute l'équipe de I Love Rock'n'Roll. Ah, 100%, puis comme je dis, moi, je suis la nouvelle, puis ils m'ont inclus, je me suis sentie tout de suite dans la famille, faire partie de la famille, puis tout le monde est super gentil, on s'amuse sur la scène, ça fait maintenant 5 spectacles qu'on fait ensemble, puis ça paraît, là, on est de plus en plus tight, puis on s'amuse. Sur 100, comment tu dirais l'énergie du public? Ah mon Dieu, presque 200 ce soir. C'était vraiment le fun. C'était l'énergie, on le sentait dans l'air. Même avant de commencer le spectacle, on sentait qu'elle allait avoir une belle énergie. Fait que je suis super contente. Bon, bravo Saint-Hyacinthe. OK. Puis en chiffres, combien tu donnerais à peu près de spectateurs sans te fier au nombre exact qu'ils t'ont dit? Oh mon Dieu, je sais même pas combien de personnes qu'il y a. Hey, mon Dieu, je sais pas. J'imagine peut-être 1000. Je sais pas si ça peut que ce soit plus, mais regarde, il y avait tellement de monde. Là. Des fois, on est tellement dans le show qu'on essaie de pas trop voir combien de personnes qu'il y a, mais alors regarde, on dirait que ça finissait plus. C'est extraordinaire, j'ai aucune idée. Peut-être 1000, je pense, je sais pas. Je sais pas non plus, là, mais. Donc, t'as beaucoup apprécié le spectacle? Ah oui! Tente au prochain? Ah, 100% tout le temps! Je passe ma semaine, je fais des petits X dans mon calendrier en attendant le prochain show. J'ai tellement de fun, là! I love rock'n'roll, I love le show rock'n'roll, c'est extraordinaire! J'adore! C'est quoi la chanson préférée? La dernière question, c'est quoi ta chanson préférée que t'as faite? Jusqu'à maintenant, c'est Photograph de Def Leppard. Pour moi, c'est mon coup de cœur du spectacle. Mais là, le prochain show, on va chanter The Mexican de Babe Ruth, puis je pense que ça va être une course assez serrée entre les deux. Donc, un dernier bye-bye. Mais bye-bye! Je suis tellement contente de faire partie de l'équipe I Love Rock'n'Roll. Merci beaucoup à tout le monde de m'avoir inclus dans votre famille. J'adore. Merci. OK. Bye! Bye-bye!